Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, c'est Momo avec vous et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube puisque dans cette vidéo on va une fois de plus nettoyer des miniatures. Donc c'est parti tout de suite et on commence avec la première, c'est une Burago 1.43 et c'est une Alfa Romeo 159. Voilà. Et voilà, donc là on voit hein, l'état, il est complètement... Elle est éclatée au sol, hein, clairement. Et vous allez voir, dans toutes les autres vidéos, je vais la sauver, regardez. Déjà, je passe le pinceau. Hop. Hop. Et maintenant, je passe la lingette. Donc comme je l'ai dit hier, hein, c'est des lingettes bébé, hein, donc c'est totalement inoffensif pour les voitures. Et ça les nettoie bien. Voilà. Et maintenant, je passe le mouchoir. Et voilà, regardez, elle est toute propre. Il n'y a rien à dire dessus. Voilà. Ensuite, on passe sur la suivante et c'est une Dacia Logan. Donc un piteux état. Hein. Donc c'est une Eligor. Voilà. Et là, c'est pareil, je vais passer le pinceau. Hop. On voit hein, la poussière qui vole, hein, clairement. Ensuite, je passe la lingette. Ah, les essuie-glaces, c'est vrai. Faut que je fasse gaffe aux essuie-glaces sur celle-là. Voilà. Et faut que je fasse gaffe au rétro aussi. Donc celle-là, hein, si vous vous rappelez, c'est une que j'avais achetée en concession à Montargis. Donc derrière Paris, là-bas. Et voilà. Là, on passe le mouchoir. Voilà. Et voilà, regardez, elle est toute propre de nouveau. Il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà. Ensuite, on passe sur une BMW. Attendez, hein, juste deux secondes. 335i de chez Burago. Allez, allez, voilà, 335i, donc voilà, hein, elle est dans un sale état, hein, clairement. Donc là, c'est pareil, on passe le pinceau. Bon, ce qui est bien chez Burago, c'est qu'il n'y a pas les antennes et tout à faire attention, donc on peut y aller franco. Contrairement à la Eligor où j'ai dû faire doucement. Ensuite, on passe la lingette. Ça, c'est des véhicules que j'ai jamais eu le temps de nettoyer avant le confinement. Et maintenant qu'il y a le confinement, bah, j'en profite.
Voilà. Prends un mouchoir. Et voilà, elle est toute propre. Mise au point, please. Allez. Voilà. C'est plus comme avant. Ensuite, on passe sur une Renault Capture. Donc là, hein, vous allez voir que l'état, il est... Voilà quoi. Elle est complètement éclatée au sol, hein, faut dire ce qui est. Voilà, maintenant on passe la lingette dessus. Et vous voyez qu'avec des lingettes bébé, les voitures complètement éclatées au sol, on arrive à les récupérer. Voilà. Passe le mouchoir dessus. Et voilà. Elle brille de nouveau. Et voilà. Et ensuite, on passe sur une Renault Clio 4. Il me semble que c'est la Clio 4. En noir. Hein, donc là, bon, la poussière, elle est moins flagrante hein, à cause de la couleur. Hein, donc ça se voit un petit peu moins. Mais quand on va passer le pinceau. Voilà, vous voyez à la caméra? Voilà. Là, on passe la lingette dessus. Voilà, là on passe le mouchoir et voilà, la voiture est de nouveau toute propre. Voilà. Alors qu'avant elle était complètement exposée au sol, hein. Donc voilà le rendu final. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss!